Pour les amateurs du genre, le nom de Thomas Edward Lawrence est synonyme d'aventure, de passion et de sable chaud. En effet, celui qu'on surnommait Lawrence d'Arabie fut un officier de liaison britannique qui joua le rôle d'agent secret et de conseiller spécial auprès des peuples arabes durant la Première Guerre mondiale. Sa tâche, quoique relativement complexe, fut en partie couronnée de succès. Il parvint à unifier certaines tribus de la péninsule arabique et à les mener à la victoire contre les Ottomans dans ce qui devint la Grande Révolte arabe de 1916 à 1918. Après la guerre, il mit par écrit, avec talent, ses aventures au cours de cette campagne dans un ouvrage fleuve au succès retentissant intitulé « Les Sept Piliers de la Sagesse ». Durant les décennies suivantes, les éditeurs anglais sortirent régulièrement de nouveaux livres sur Lawrence, forgeant peu à peu la légende d'un enfant prodige, devenu un héros grâce à ses exploits exceptionnels au cœur d'un décor digne des Mille et Une Nuits. Si sa mort tragique dans un accident de moto à 46 ans le faucha en pleine gloire, le succès international du film Lawrence d'Arabie de David Lean sorti en 1962 fit de l'officier britannique une célébrité inoubliable du début du XXe siècle. Toutefois, le personnage de Lawrence a également été sujet à de multiples controverses qu'il a lui-même alimentées en se décrivant dans son autobiographie comme un escroc à succès ou encore un imposteur impie. La complexité du personnage et les dilemmes moraux qui l'accompagnèrent au cours de ses aventures arabes ont finalement marqué sa vie au sceau du mystère, multipliant ainsi les zones d'ombre et les polémiques à son sujet. Aujourd'hui, je vous propose un petit aperçu sur cette question pour tirer au clair ses accusations d'imposture au sujet de Thomas Edward Lawrence. Du haut de ses 945 pages, faites d'une prose soutenue et d'un vocabulaire foisonnant, la lecture des 7 piliers de la sagesse est une aventure littéraire en soi. Toutefois, ce qui m'a personnellement marqué durant cette lecture, ce sont les pages de la préface et de l'introduction. En effet, dans celle-ci, Lawrence déclare avoir perdu en cours d'écriture ses différents manuscrits, ainsi que ses notes de terrain. En plus des modifications apportées au nom de certains protagonistes, il affirme aussi que son texte possède son lot d'erreurs et d'approximations. Cette manière honnête mais surprenante de débuter une autobiographie interroge évidemment le lecteur sur la pertinence historique des propos de l'auteur. Le film de David Lean, sorti bien des années plus tard, met également l'accent sur cette ambivalence de l'officier britannique. Le métrage propose une épopée incroyable d'un réalisme épique qui semble avoir été filmé comme un documentaire. Le récit débute le 13 mai 1935, jour de l'accident de moto de Thomas Edward Lawrence, dont il décédera quelques jours plus tard. La scène qui s'ensuit, à la cathédrale Saint-Paul de Londres, met en scène des célébrités et des anonymes sortant de la cérémonie funéraire dédiée au défunt Lawrence. Si les personnages à l'écran évoquent alors tous sa vie exceptionnelle, ils n'en profitent pas moins pour souligner qu'il était d'une excentricité notoire, ne méritant pas forcément sa place dans une cathédrale. Certains en concluent même que, finalement, ils ne le connaissaient pas tant que ça. Dès lors, à l'image du livre, le spectateur est confronté dès le début du film à des éléments pouvant potentiellement aller à l'encontre de la légende dorée de Lawrence. Et de fait, cette question de la crédibilité historique de l'officier n'est pas récente, et a éclaté au grand jour quelques années après la Première Guerre mondiale. Dans les années 20 et les années 30, plusieurs ouvrages commencèrent déjà à écorner la réputation de notre héros, mais il faudra attendre 1954 et un ouvrage de l'écrivain britannique Richard Adlington, intitulé Lawrence l'imposteur, pour que le mythe soit véritablement entaché. Cette biographie, décrivant Lawrence comme un menteur, un charlatan, un mythomane impudent, provoqua à l'époque un véritable scandale, et pour cause, les arguments d'Adlington n'étaient clairement pas tous pertinents. Il révéla ainsi publiquement la supposée homosexualité du personnage, ainsi que l'ambiguïté de son ascendance, son père ayant conçu Thomas Edward avec la gouvernante de ses premiers enfants. Personnellement, je trouve que ces arguments ne sont pas suffisamment éclairants pour comprendre les activités de Lawrence en Arabie, même si pourquoi pas, je veux bien admettre que ces éléments aient pu avoir un impact psychologique sur sa personnalité. Pourtant, des années plus tôt, des auteurs sans clairement s'attaquer à l'officier britannique avaient révélé des arguments beaucoup plus intéressants. Le colonel français Édouard Brémond, notamment,
qui a fréquenté Lorenz sur le terrain jusqu'en mars 1918, publia en 1931 un ouvrage consacré à l'action de la France au Moyen-Orient durant la guerre, intitulé « Le Hedjaz dans la guerre mondiale ». Dans celui-ci, il évoque des détails précis concernant certains événements qui sont en totale opposition avec ceux décrits par Lorenz. C'est le cas notamment de l'un des glorieux épisodes de l'épopée de ce dernier, à savoir sa mission de liaison entre le futur roi Faisal et son frère Abdallah en mars 1917. À l'aide d'une éblouissante richesse d'expression, l'officier britannique nous rapporte dans les 7 piliers de la sagesse ce voyage effroyable à dos de dromadaire par des pistes difficiles alors qu'il était épuisé par la fièvre et la dysenterie. Arrivé à son but, après ce parcours éreintant, l'officier britannique théorise, sans le moindre mal, les principes de la guérilla arabe, prouvant à son lecteur qu'il est un génie en toutes circonstances. Quelle surprise alors de lire chez le colonel Brémond, lui-même en poste auprès de Faisal, que Lorenz avait en réalité une automobile pour parcourir ses déplacements. Alors certes, les deux hommes ne s'appréciaient guère, en raison notamment de leur vue diamétralement opposée sur la révolte arabe. Certains pourraient donc mettre ces remarques sur le compte d'une opposition personnelle. Seulement, l'officier français n'est pas le seul à présenter un récit différent de celui établi par Lorenz. Que cela soit justement Abdallah, devenu roi de Jordanie, Nouri Saïd, fidèle de Faisal devenu premier ministre d'Irak, ou encore Kinahan Cornwallis, ancien dirigeant du bureau arabe du Caire, sous les ordres duquel servit Thomas Edward, tous contredisent dans leurs mémoires ou des ouvrages divers l'aventure arabe telle qu'elle est rapportée par notre héros. Alors quelle est dès lors la thèse de tous ces individus? D'abord, aucun ne remet en cause les qualités de l'officier britannique, son intelligence, son courage, son énergie, ou encore sa sympathie pour les Arabes. Mais ils affirment que ses exploits furent le plus souvent exagérés, sinon inventés de toutes pièces, pour servir la propagande anglaise durant la Première Guerre mondiale. Et de fait, pour gagner l'opinion publique américaine à la cause des Alliés, le Royaume-Uni a bel et bien envoyé des journalistes américains auprès de l'armée arabe, dont un certain Lowell Thomas, qui vit rapidement en Lorenz son potentiel médiatique. En 1919, peu après la guerre, le journaliste américain organisa d'ailleurs à Londres une exposition consacrée à Lorenz, dans laquelle on pouvait découvrir des diapositives colorées et des séquences de films qui attirèrent plus d'un million de Britanniques. Lorenz, qui disait lui-même « j'avais soif de célébrité, mais qu'on puisse en douter me faisait horreur », aurait donc utilisé cette renommée naissante pour se forger un destin hors du commun. Aux côtés d'incontestables réussites, il aurait ainsi enjolivé certaines de ses actions et en aurait inventé d'autres de toutes pièces. Évidemment, cette vision de la légende ne remet pas totalement en cause la présence de l'officier britannique sur le théâtre arabe, qui de fait est attestée par l'archéologie. En effet, en mars 2016, des archéologues de l'université de Bristol ont retrouvé une balle provenant d'un pistolet Colt à Al-Atamar, à la frontière de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie, là où Lorenz est censé avoir justement mené une embuscade contre un train. Finalement, Thomas Edward Lorenz fut-il un authentique héros, un simple aventurier mégalomane, ou les deux? À titre personnel, je pense que Lorenz était un officier talentueux, mais un brin opportuniste, n'ayant pas hésité à falsifier la réalité pour servir ses rêves de célébrité. Son talent littéraire indéniable lui a d'ailleurs été d'une grande aide pour faire passer des faits d'armes importants pour des épopées épiques inoubliables. Mais je pense également que se focaliser sur Lorenz, c'est oublier que sa légende était avant tout très utile pour les Alliés. En faisant de l'officier britannique l'âme de la révolte arabe, les Anglais et les Français minimisèrent la contribution des Arabes à leur propre combat, et donc leur part durement payée dans la victoire des Alliés durant la Première Guerre mondiale. Une fois la victoire et donc la paix acquise, ni la Grande-Bretagne ni la France n'avaient besoin des Arabes, et les deux nations abandonnèrent simplement les promesses faites à ces peuples. Quoi de plus simple alors, pour minimiser ces vainqueurs que l'on souhaitait oublier, que de mettre en avant ses propres héros? C'est ainsi à mon sens que l'on doit lire la légende de Lorenz, non pas comme une simple épopée entretenue par l'officier lui-même, mais comme une véritable aubaine pour les puissances occidentales.
Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu et à la partager sur vos réseaux sociaux. De mon côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo consacrée à la série de jeux vidéo Civilization. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.